ce salon démontre notre ambition culturelle spinacienne en lien avec la jeunesse. Le manga est un élément majeur de la culture japonaise et que nous avions souhaité depuis sa première édition il y a 2 ans faire la promotion des mangaka. Déjà au début de l'année, donc comme j'ai dit, il y avait déjà le salon du jeu vidéo, donc ça nous avait vraiment plu. Franchement ça va, c'est une ville qui donne plein d'activités et d'opportunités aux jeunes. Je trouve ça c'est super cool parce que toutes les villes ne le font pas forcément. Bien, étant une fan de manga, j'ai pris connaissance de la convention ici, je me suis dit une convention à côté de chez moi, faut que j'y aille. Avec une exposition importante, un salon qui s'ouvre avec beaucoup de créativité, beaucoup d'activités. Et puis pour donner à la jeunesse spinacienne et d'ailleurs le plaisir de lire et puis à aller vers les médiathèques, notamment du réseau de Pleine Commune qui est notre partenaire sur ce salon. J'ai appris la Japan Expo et c'était plus grand et beaucoup plus en fait shop et argent. Un salon qui est gratuit, c'est rare, et ben il est assez complet je trouve. La première édition a été un grand succès, on partait un petit peu à l'aventure, mais la seconde on était un peu plus formés à ce genre d'exercice. Et effectivement, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'attentes d'ailleurs. On est même un petit peu... on a trop de succès par rapport à la capacité du lieu, donc il faudrait qu'il soit encore plus grand. Si c'était plus petit, c'est sûr. Mais quand on fait bien le tour, on remarque qu'il y a beaucoup d'activités, notamment aussi pour les petits, c'est assez cool en vrai. C'est beaucoup plus convivial. Alors le concours cosplay était vraiment magnifique. Tout le monde qui est ici, ils sont super sympas et les gens cosplayés, ils sont grave cool et on peut parler librement en fait. Voir des cosplayers venir avec leur cosplay, faire des photos avec eux, tout le monde est super ouvert d'esprit, donc c'est vraiment ça que j'aime dans ce salon. C'est vraiment le tout quoi.